Voilà, j'ai toujours eu envie d'être psychanalyste depuis mon enfance. Parce que, vous savez, la psychanalyse, on y vient parce qu'on souffre. Ce n'est pas par curiosité intellectuelle. Or, il se trouve que dans mon enfance, j'avais comme ça des souffrances névrotiques. Et quand j'ai rencontré l'œuvre de Freud, j'ai eu une impression que, comme une sortie du tunnel. Et j'ai donc voulu me consacrer à l'œuvre de Freud, que je critique beaucoup ces derniers temps. Mais sans lui, je n'aurais pas pu le critiquer.